soustraction par addition. L'astuce, c'est de négliger. Donc j'ai un compteur binaire dans l'indicier qui est sur 4 digits, un compteur décimal qui est sur 4 digits. Ce compteur, il va me faire une somme avec 4 autres digits. Le résultat de la somme, ça va être 4 digits et j'aurai une retenue. D'accord ? Cette retenue, le principe, c'est de ne pas la regarder pour faire la soustraction. Profiter des tours de compteur. J'ai pris l'exemple de 4 digits parce que vous avez un additionneur 4 bits ici. Donc quand je dis digits, ça veut dire 4 chiffres, 401. C'est les séparateurs. Oui. Donc, je vais prendre le cas décimal. J'ai 6781. D'accord ? Donc j'ai bien 4 digits. Et je vais vouloir y ajouter quelque chose. J'aimerais, j'aimerais y enlever 20. D'accord ? Alors, pour y enlever 20, j'aimerais que mon résultat fasse 6782, c'est environ 60. Je demande comment je fais pour avoir ça. Alors, je vais faire par addition. Alors, le truc, il est simple. 6781, le principe, vous voyez vraiment le compteur de voiture avec les chiffres qui tournent, quand j'arrive à 9999, je retourne à 0. Et après, je vais remonter, donc je peux, en ajoutant des nombres comme ça, au moment où je fais mon tour de compteur, je vais lancer une retenue. Après, je vais remonter et peut-être arriver en dessous et faire une soustraction. Ça, les... Alors, regardez le raisonnement. Qu'est-ce qui fait si j'ajoute 1000... Je suis en décimal ici. Hein. Si j'ajoute 10 000 tours à un compteur qui est sur 4 digits, ben, il va faire le tour. Il va revenir au même endroit. On est bien d'accord. Hein. 1, 8, 7, 6. Mais il aura lancé une retenue dont je me manque. Je peux dire qu'en fait, quand j'ai fait ça, j'ai enlevé 0. D'accord ? Maintenant, si je veux enlever 1 à 6781, ben, j'ai dû faire 10 000 tours pour faire le tour, revenir juste au même endroit. Mais j'en fais un de moins, ce tour. D'accord ? Donc, si j'ajoute 9999 à ce 6781, ouais. Ben, je vais faire un tour de moins, donc je vais avoir la retenue qui est lancée que je vais ignorer et faire. Je vais avoir un de moins tout simplement. Il manque un 9. Donc ajouter 9999, ça me fait l'effet de moins 1. Ajouter 9998, ça va me faire l'effet de moins 2. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là ? Ok ? Donc si j'ajoute 10 000 tours, je reviens au même endroit, j'ai fait moins 0. Si j'ajoute 9999 tours, je reviens un pet en dessous et j'ai fait moins 2. Je suis de 5.18, moins 2. Maintenant, ben, j'aimerais faire, supposons que je veux faire une grosse soustraction. Ça, c'est le compteur kilométrique de ma voiture. Je veux la vendre pas chère du tout. J'aimerais bien descendre à 2000, donc j'aimerais faire moins 4000. Je ne vais pas compter dans ma tête. Je suis en décimal pour le moment. Je ne vais pas compter dans ma tête, à l'envers, 4000 fois. Mais je remarque quelque chose. 10 000 plus 0 égale 10 000. Vous me suivez jusqu'à ce moment-là ? 9999 plus 1, ça fait 10 000. 9998 plus 2 égale 10 000. Alors, on va appeler ça une conjecture, mais il me semble que ça doit être démontrable. Pour faire une soustraction d'un nombre x, j'aimerais enlever x, il me suffit d'ajouter ce qui complémente x pour aller à 10 puissance 4. D'accord ? Je prends cette règle-là. Donc en fait, ben, pour faire la soustraction de 2000, je vais ajouter le complément à 10 puissance 4 de 2000, tout simplement. Démonstration sans filet. Donc je veux enlever 2000. Qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute à, qu'est-ce qu'il faut que je complète à 2000 pour arriver à 10 000 8000.
Donc, si j'ajoute 8000, j'aurais soustrait 2000. À condition de ne pas regarder la retenue. Je fais mon addition. 1, 8, 7, 8 et 6. 14, hein, jusque là. Je lance une retenue de 1. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien enlevé 2000. C'est génial. Je n'ai pas à refaire mon circuit d'addition. Je reprends un circuit d'addition existant, le même plus. Je triche juste sur la valeur. Quand je veux soustraire, j'ajoute le complément à... Et là, en binaire, il va falloir que j'ajoute le complément à 2 puissance 4. D'accord ? Petit exercice de style et petite pratique. Vous vouliez enlever 10, mais je vais prendre autre chose comme exemple. Alors, on prend un nombre. 7. Alors, 7... en binaire, c'est quoi? C'est 1 et 2 et 4. 1 et 2 et 4 et pas 8. D'accord? Voilà. Et ce nombre 7, j'aimerais bien lui ajouter moins 4. J'aimerais bien y ajouter moins 4. Donc là, qu'est-ce que je cherche? Eh bien, j'ai un compteur binaire à 4 digits. Je vais chercher le complément à 2 puissance 4. 2. 4. Donc qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute à 4 pour faire 2 puissance 4? 2 puissance 4 c'est 16. Qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute à 4 pour faire 16? 12 environ. D'accord? 12 en décimale c'est A, B, C. D'accord? Donc il faut que je rajoute 0xc. Donc 12, on peut dire que c'est 8 et 4 et pas 2 et pas 1. C'est ça? Et on fait le test. 1 plus 0, 1. 1 plus 0, 1. 1 plus 1, ça fait 2, c'est-à-dire 0 et 1 de retenue. 1 et 1, ça fait 2 jusque-là, c'est-à-dire 0. Et 1 de retenue, que je m'empresse d'ignorer. D'accord? Si je n'ai pas retenu, c'est que... Donc j'ai fait ma soustraction. Vérification, j'ai codé quoi là? 3, 7 moins 4 égale 3. C'est bon pour la vidéo?